Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Catherine et Stéphanie, qui aujourd'hui seront opposées à Diane et Émilie. Allez, tout de suite, et pour notre plus grand plaisir, on accueille bien sûr Thierry Beccaro. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous voyez, je suis arrivé en trottinant, joyeux. Clac, 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 ravi de vous retrouver et de passer cette petite demi-heure, cette grande demi-heure, devrais-je dire, avec vous et avec Stéphanie et sa maman Catherine. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Thierry. Vous venez de Massy. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait présenter Massy pour celles et ceux qui n'habitent pas justement à Massy? C'est une ville qui est quand même... ça bouge bien. Ouais, c'est une chouette ville, très cosmopolite. Je crois que c'est la seule ville hors capitale européenne qui possède un opéra, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc... L'opéra de Massy, ouais. Et puis une ville assez réputée pour le cirque. Exactement. Chaque année, il y a le cirque de Massy en janvier. Ouais, voilà. Voilà. Vous voyez que ça bouge bien du côté de Massy. Oui. Donc, regardez les programmations, vous allez vous régaler. Merci d'être avec nous pour la première fois. Oui. Hein, Stéphanie, est-ce que vous travaillez? Oui, je suis journaliste. J'explique aux élèves qui vont entrer dans les grandes écoles de commerce ce qui s'y passe. D'accord. Voilà. Et que quand ils sortiront de l'école, ça ne sera pas aussi simple qu'à l'école. En général, les diplômés d'école de commerce, ça va quand même relativement mieux que ceux de l'université, en tout cas. Bon, vous êtes venu avec maman. Oui. Bonjour maman. Bonjour Thierry. Enfin, bonjour Catherine. Oui. Bon, vous habitez à côté de Nauf-le-Château. À peine près de Nauf-le-Château, ou plaisir, si vous préférez. Mmh, voilà, et qu'est-ce que vous faites, vous, Catherine? Je suis en pré-retraite, c'est-à-dire que je ne fais pas grand-chose. Du scrap, des mots croisés, de la marche et du yoga. D'accord. Et en dehors de ça, du bricolage, si vous voulez Parfait. Tout savoir. Voilà. Et donc, vous préparez la retraite. Je vous présente Émilie et Diane. Je devrais dire, laissez venir à nous la concurrence, les amis, les concurrents qu'on aime bien. Voilà, on est ravis de vous accueillir, Émilie et Diane. Donc, je sais que vous travaillez pour des chaînes concurrentes et néanmoins amis, disais-je. Est-ce qu'à côté de ça, vous avez des centres d'intérêt particuliers, Émilie? Oui, moi je fais du Scrabble, un petit peu en compétition. Enfin, j'en ai beaucoup fait à une époque. En compétition? Oui. J'en ai beaucoup fait à une époque et j'en fais un petit peu moins, mais j'aime toujours jouer de temps en temps. Donc ici, alors, vous êtes chez vous, là, ici, sur le plateau de Motus. J'espère. Et vous, Diane, vos centres d'intérêt, ce serait quoi? Le cinéma, principalement, et les voyages. D'ailleurs, avec Émilie, on s'est rencontrés en voyage en Inde. C'est génial, ça. Ouais. Et là-bas, sur place, à quel endroit exactement? À New Delhi. Et si on allait, passer des sélections pour jouer à Motus à New Delhi? Parce qu'on en a rencontré des candidats. Enfin, eux, ils ont été sélectionnés à Lille, à Montpellier, à Nice et tout. Mais New Delhi, c'est la grande classe. Hein. C'est la grande classe. Vous êtes les bienvenus toutes les deux. Merci. Évidemment. Voici les grilles pour commencer la partie. Diane, Émilie. Le numéro magique, c'est le numéro 45 pour vous. Catherine, Stéphanie. Vous aurez besoin, si jamais c'est nécessaire, de tomber sur le 60. Ce sera votre numéro magique. Le montant de la cagnotte aujourd'hui, Myriam. Eh bien, écoutez, Thierry, je vais m'adresser directement aux candidates. Elles ont bien fait de venir aujourd'hui. 7000 euros sont en jeu. 7000 euros, Diane. Oui. Bon, on va mettre ça de côté pour l'instant et on va se concentrer sur les mots. Et ce seront des mots de... Neuf lettres. D'accord. Bonne chance, on y va. Voici la lettre D. Douillant. D-O-U-I-L-L-A-N-T. Draperie. D-R-A-P-E-R-I-E-S. Directeur, D-I-R-E-C-T-E-U-R. Direction, D-I-R-E-C-T-I-O-N. Allez-y, Émilie, s'il vous plaît. Le 37. Diane. Le 69.
Vous le mettez là, le 69. Mais je peux comprendre, hein. C'est vrai que c'est assez... Moi, personnellement, j'ai une tendresse hein, pour ce numéro, mais ce n'est pas le numéro magique. Mais c'est bien essayé, hein. C'est coquin. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes un filou, Thierry Beccaro. Vous êtes un coquin. Coquin, filou... Ah, que des compliments. Alors, Diane. Oui. C'est à vous de jouer avec le T. Touillant. T-O-U-I-L-L-A-N-T. Ouais. Triperie. T-R-I-P-E-R-I-E-S. Taquine. T-A-Q-U-I-N-E-S. Voilà, vous auriez pu rajouter taquin. Mais bon, taquine, c'est trop court. Alors Catherine, vous attendez bien la lettre bonus, c'est le B. Tourisme, T-O-U-R-I-S-M-E-S. Tourbière, T-O-U-R-B-I-E-R-E. Voilà. Bien joué, Stéphanie. Vous prenez un numéro, s'il vous plaît. Catherine. On a la sensation que les boules sont collées. Ouais, c'est lourd, hein. C'est lourd. J'ai les mains... Mais c'est du plomb. Les mains du plomb, les boules du Catherine, plomb, ça... Catherine, les boules sont en plomb, il faut pas l'oublier. On ne vous a pas dit de vous entraîner, faire un petit peu de muscu. Avec les lettres de Scrabble, c'est pas assez lourd. Bon, mais la prochaine fois, vous me faites un oui, bon mélange. D'accord. Hein. Allez, Catherine, bon. Voici la lettre P. Patinoire, P-A-T-I-N-O-I-R-E. Passager, P-A-2-S-A-G-E-R-S. Pistouille, P-I-S-T-O-U-I-2-L-E. C'était pistouille l'autre. Sinon, pour vous, c'était quoi une pistouille? Non, c'est confondu avec bistouille. Ah, la bistouille. C'est espèce d'alcool. Oui, quelque chose. Oui, ça me rappelle quelque chose. Pas génial, quoi. Oui, voilà. Non, pistouille, on l'a pas. Ouais, je suis désolé. Diane, la lettre bonus, la voici. Pistache, P-I-S-T-A-C-H-E-S. Poulinant, P-O-U-L-I-N-A-N-T. Président, P-R-E-S-I-D-E-N-T. Diane, vous êtes en tête, 100 à 50, s'en fiche complètement. Elle, ce qu'elle veut, c'est mélanger. Voilà, et vous avez droit à un petit carton jaune aussi, voilà, semble-t-il. Hein, c'est ça, hein, que vous avez des... Sur pistache. Voilà. Pourquoi? Parce que. Voilà, c'est ça la concurrence. Vous voyez, là, j'en profite, je suis sur mon terrain. Allez-y, Diane, allez-y. C'est trop long. Le 43. Je mets là. Émilie. Non. 61. Vous avez un carton jaune parce que vous avez dû découper un mot en 20 morceaux, vous voyez. D'accord. Alors qu'il faut être un peu plus fluide. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Émilie, à vous de jouer. Inoculant, I-N-O-C-U-L-A-N-T. Imagerie, I-M-A-G-E-R-I-E-S. Immersion, I-M-M-E-R-S-I-O-N. Inventer, I-N-V-E-N-T-E-E-S. Je l'ai.
injectés, I-N-J-E-C-T-E-S. Isotherme, I-S-O-T-H-E-R-M-E. D'où l'intérêt, Émilie, de proposer un mot quand même. Vous voyez, c'est ça. Ça permet à Diane, qui visiblement avait trouvé le mot, de marquer 50 points de plus. Allons-y, Diane. Si vous prenez le 57, il y a 100 points pour vous. Le 21. Émilie. Bon, vous avez 150 points, 50 points pour Catherine. Allons-y, Catherine. Voici la lettre C. Cadenassé, C-A-D-E-N-A-2-S-E. Chevaline, C-H-E-V-A-L-I-N-E. Cheminée, C-H-E-M-I-N-2-E-S. Clientèle, C-L-I-T-E-N-L-E. Ah ouais, non. Il va manquer le... Ah oui, alors là, c'est oui, pas c'est... dans le bon sens. C'est pas dans le bon ordre. Diane, attention, la lettre bonus, la voici, c'est le O. Coagulant, C-O-A-G-U-L-A-N-T. Crèmerie, C-R-E-M-E-R-I-E-S. Codifiant, C-O-D-I-F-I-A-N-T. Je sais pas ce que c'était. Alors, ça vous dit rien pour l'instant, mais la lettre bonus va peut-être tout changer, Catherine. Codicille, C-O-D-I-C-I-2-L-E. La définition du mot, Myriam, s'il vous plaît. Mais bien sûr, Thierry, avec plaisir. Un codicille, c'est un acte postérieur à un testament, le modifiant, le complétant ou l'annulant. Et dans la chanson de Brassens, supplique pour être enterré sur la plage de Sète, il commence la chanson par la Camarde, ne m'ayant jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez. J'ai mis à jour mon testament et j'ai refait mon codicille. Voilà, donc voilà, on retrouve ce mot. En gros, hein, j'ai simplifié, mais voilà, on retrouve le mot qui vous était proposé et que vous avez trouvé. Bravo, Catherine. Merci, Myriam. Vous mélangez, s'il vous plaît, Catherine. Le 32 rapporte 100 points. Le 16. Alors, le 16 ne rapporte rien. Stéphanie. Si vous trouvez le mot suivant, vous égalisez, Stéphanie, et c'est un mot qui commencera par la lettre S. Spécial, S-P-E-C-I-A-L-E-S. Supplique, S-U-D-P-L-I-Q-U-E. Et dans la chanson de Brassens, supplique pour être enterré. Serpentin, S-E-R-P-E-N-T-I-N. Sépulture, S-E-P-U-L-T-U-R-E. Un petit moral en ce moment, Catherine? Oui, c'est vrai. Sceptique, S-E-P-T-I-Q-U-E. Sceptique. Il manque un C, c'est ça? Ah ouais, je pense. S-C, oui. Je pense. Alors, Diane, attention à la lettre qui vient. C'est la lettre T. Septembre, S-E-P-T-E-M-B-R-E. De 100 à 100, Diane, allez-y. Le 57 rapporte 100 points. Le 5. Le 53 également, Émilie.
Le 51. Bon, 100 points d'avance, c'est une belle, belle première partie. Bravo à toutes les quatre. Émilie, voici la lettre M. Oui, Myriam. Voilà, et j'en profite pour vous dire que c'est l'heure du dernier mot. Oh. Eh oui, déjà. Elle surgit comme ça, je ne m'y attendais pas. Dernier mot, il faut absolument le trouver. Émilie, si vous voulez aller en super partie, à vous. Mouillant, M-O-U-I-2-L-A-N-T. Mercerie, M-E-R-C-E-R-I-E-S. Ménagère, M-E-N-A-G-E-R-E-S. Minorité, M-I-N-O-R-I-T-E-S. Miroiter, M-I-R-O-I-T-E-S. Miroitier, M-I-R-O-I-T-I-E-R. Oh, c'était... On a un ponte, on ne connaît pas les mots. C'est dire miroitier, vous voulez la définir miroitier, oui, Myriam. C'est un marchand de glace, tout simplement. Okay. Un voilà, marchand de miroir. D'accord. Ça, j'adore. Miroitier, un marchand de glace, voilà. Non, de miroir, évidemment. Évidemment. Voilà. Bon, eh bien, Émilie, Diane, à vous la super partie. Et on vous applaudit très fort. Bravo. Eh, dommage, Catherine, Stéphanie, ce sera pour une prochaine fois. Et on vous applaudit également très, très fort, parce que vous avez super bien joué. Voici quelques cadeaux pour vous. AvantQuest vous offre des logiciels pour sublimer vos photos et créer votre maison en 3D, ainsi que 100 euros de logiciels à télécharger sur avantquest.com. Et la marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir ce couple de montres. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Bon, Stéphanie, Catherine, on prend déjà rendez-vous pour une prochaine fois. Avec plaisir. D'accord. Oui. Il y aura juste une petite formalité, les sélections et tout, puis on n'en parle plus. Oui. D'accord. Vous restez avec moi pour la super partie. Oui. Et quelle super D'accord. partie. Aujourd'hui, il y a 7000 euros à gagner. A tout de suite. Pour vous inscrire à Motus, connaître nos prochaines dates et villes de sélection, nous rejoindre dans le public ou revoir l'émission, rendez-vous sur www.france.tv rubrique Motus. Alors à bientôt sur notre plateau. Vous avez 5 minutes pour trouver 10 mots de 9 lettres. Il y a 7000 euros à gagner. Si vous restez un petit peu de temps, vous tentez le 11e mot qui rapporte 1000 euros de plus. Et quoi qu'il arrive, vous revenez. Bonne chance. Merci. Saloperie. S-A-L-O-P-E-R-I-E. Salopette. S-A-L-O-P-E-D-T-E. Poulinant, P-O-U-L-I-N-A-N-T. Penderie, P-E-N-D-E-R-I-E-S. Ouais. Proximité, P-R-O-X-I-M-I-T-E. Rouillant, R-O-U-I-2-L-A-N-T. Rumerie, R-H-U-M-E-R-I-E-S. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E-S. Refoulé, R-E-F-O-U-L-E-E-S. Ristourne, R-I-S-T-O-U-R-N-E. Auréolant, A-U-R-E-O-L-A-N-T.
Archerie, A-R-C-H-E-R-I-E-S. Aoutienne, A-O-U-T-I-E-2-N-E. Accolade, A-2-C-O-L-A-D-E-S. Aspirant, A-S-P-I-R-A-N-T-S. Applaudi, A-2-P-L-A-U-D-I-R. Applaudir, mince. Douillant, D-O-U-I-2-L-A-N-T. Draperie, D-R-A-P-E-R-I-E-S. Démontage, D-E-M-O-N-T-A-G-E. Griserie, G-R-I-S-E-R-I-E-S. Gouléant, G-O-U-L-E-Y-A-N-T. Guignolet, G-U-I-G-N-O-L-E-T. Vermoulant, V-E-R-M-O-U-L-E-T. Vaucherie, V-A-U-C-H-E-R-I-E. Veloutant, V-E-L-O-U-T-A-N-T. Vacataire, V-A-C-A-T-A-I-R-E. Touillant, T-O-U-I-2-L-A-N-T. Triperie, T-R-I-P-E-R-I-E-S. Tannelier, T-O-2-N-E-L-I-E-R. Tunnelier, T-U-2-N-E-L-I-E-R. Mouillant, M-O-U-I-2-L-A-N-T. Mercerie, M-E-R-C-E-R-I-E-S. Mouchoir, M-O-U-C-H-O-I-R-S. Ménagère, M-E-N-A-G-E-R-E-S. Moqueuse, M-O-Q-U-E. Bon, le mot que nous cherchions, c'était le mot... Moscovite. Moscovite. Ouais. Et on vous applaudit très très fort, Diane, Émilie. Il vous aura manqué deux mots de toute façon, hein. Et puis alors, applaudir. Malheureusement, j'ai un petit peu hésité. Ah oui, non, oui. Bon, ça a été compliqué, mais vous finissez bien quand même. Hein. Il doit y avoir sept mots, je pense. Six. Bon, on va garder nos 7000 euros, Diane. Oui. 7000. C'est dommage. On a bien fait un petit voyage. C'est pas terminé, puisque vous revenez. Et que la prochaine fois, il y aura 1000 euros de plus. 8000. Donc ça ne sera plus un petit voyage, ça sera un grand voyage. Super. D'accord ? Oui. Hein ? Bon, et vous nous revenez en pleine forme et on sera ravis de vous retrouver. Merci. Bonne journée et à la prochaine fois. Yeah ! Pour continuer de jouer à Motus, vous entraîner ou défier vos amis, retrouvez nos applications sur votre mobile ou votre tablette.